Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Car Manufacture. Donc comme c'est dit dans le titre, c'est nous créons des véhicules. Une chaîne de production, la revente et tout ce qui va avec. Tout est Quinty. Donc, sans plus tarder, je vais recommencer une nouvelle partie. Pourquoi? Parce que je vais pas vous mentir ce qui vient de se passer. C'est que moi, au préalable, comme je le redis à chaque fois, je fais des petits tests, d'accord, donc des petits tests pour savoir ce qui est, si c'est le jeu est bien, s'il me plaira en vidéo ou quoi. Je l'ai fait pour, pendant le prologue m'a plu, donc j'ai bâillé le jeu, j'ai fait une partie pour l'essayer en votre compagnie, j'ai fait une début de partie qui s'est très bien passé. Et du coup, j'ai commencé un rec tout à l'heure, et mon entreprise avait faillite au bout de 5 minutes. Donc les amis, ce que aujourd'hui on va essayer de faire, c'est de créer notre entreprise, la développer, mais surtout, essayer qu'elle tienne le plus longtemps possible. Je dis pas ça parce que je viens de faire faillite, hein. Donc là, on va créer un point de vente. Tac. On va pas commencer très gros. Avec un seul bureau, on fera de la déco plus tard. Voilà. Du coup, il faut un parking pour la vente. Tac. Donc, ce que je vais faire, c'est... Je vais en mettre... Un là. Pour l'instant, on va en faire que deux, parce que c'est justement, je pense, c'est ce qui m'a fait décagner. Tac, on va changer que je n'ai pas, parce que je ne l'ai pas pris. Ah, je suis désolé, je vais pas le passer à une voiture, moi. Eh, d'accord, je sais très bien. En fait, je sais ce qui nous avait chié. Je viens de comprendre, en fait. C'est que j'avais débloqué tout l'art technologique, donc j'étais parti sur la dernière voiture qui vaut une petite fortune. Donc là, c'est un bénéfice, normalement, coût par pièce, c'est 160. Je vais essayer de monter à 500 bénéfices, à peu près, voire un peu plus. Voilà. Donc là, on va activer la propale, libérer. D'ailleurs, c'est parce que... Il devrait y avoir marqué dans le traducteur, mais c'est pas très grave. Donc là, juste à côté... Non, juste ici plutôt. On va se faire deux petites lignes de prod. Voilà, ça devrait le faire. Avec une porte, bien entendu, ici et ici, c'est très important. Une et une. Une et une. Et là, du coup... Il nous en faut quand même quelques-unes. Donc ça, pas besoin d'en mettre des masses, parce que ça stocke pas mal de pièces. Surtout que là, on va faire qu'une seule ligne de production. Donc on n'a pas vraiment besoin de beaucoup plus. Donc on va sélectionner ça. On va mettre production. On va resélectionner. Production coût. Là, on va commander pour deux. Une commande pour deux. Ça part de là. Normalement, si je mets play, ça part tout seul. Ça partira pas tout seul. Autant pour moi. Il faut quand même prendre des mécanos, des transporteurs. Donc cela, on va prendre du 2. Voilà, il m'en faut quand même quelques-uns. Et il me faut le meilleur vendeur. Hein. Hop, celui-là. Et le chercheur, on va en prendre un aussi. Ça, le chercheur, on agrandira parce que c'est quelque chose de très important dans ce gameplay, en tout cas. Mais on va le mettre tout au bout, le chercheur. Merde. Hop. D'ailleurs, on peut commencer.
Les petits arbustes, là, on peut pas les enlever? Non, ok, c'est bon. Donc là, normalement, si tout se passe bien. Ok, donc les livreurs arrivent. Les mécanos, normalement, voilà, ils vont se mettre en place. Ils vont y aller. Ils vont charbonax. La prochaine découverte qu'on prend, on l'appellera Vélo 2.0. Vélo V2. Donc vous voyez pas en haut là, mais il y a un espèce de bouton que vous voyez préparette. C'est juste pour les quêtes. Mais vu qu'on est en privé, enfin, on une partie normale, il n'y a pas de quête, je crois. Pourquoi il a peur? Je te fais racketter ou quoi? Ouais, donc ouais, j'ai pas envie de vous mettre les extraits de l'autre gameplay que j'ai fait juste avant, mais c'était autre chose la construction que ce vulgaire tas de ferraille. Là, ce qui est dommage, c'est ils peuvent travailler que un mécano par un mécano, quoi. Et du coup, hop, ça fait un vélo en vente. Allez, dis-moi qu'il y en a un qui... Voilà, l'achat, l'achat. Allez, Tyler, voilà, tu bailles, mon pote. Ça rigole plus maintenant. T'as compris? Ça rigole plus. Les vieilles bagnoles de l'ancien temps, hein. On tente quand même de rouler avec nos voitures actuelles. Bon, après, c'est des trucs qui, je pense pas qu'ils roulaient à des vitesses de zinzin, mais on va pas être serein quand même dedans. Donc, les chercheurs. On va les mettre tranquillement, eux. Ils ont besoin de calme, de tranquillité pour faire leur travail. Hein? J'en mets deux, hein, on sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Hop, on va commencer le T2. Direct, boum, on n'a pas le temps. Ça se vend pas là. Hein. Ça se vend pas. Ah si. Allez, Tony. C'est pas cher. Il y en a déjà une qui est prête à partir là. Il va falloir que je baisse les prix. Ah ouais. Voilà, prix en baisse. Prix en baisse. Kermesse, c'est le dernier offre. J'aime baisser, hein? Ah. Ah, pour le moment, en positif. En plus, il y a des stocks qui arrivent. En vrai, je vais rebaisser encore un peu à 400, à peu près. Comme ça, on est sûr de pouvoir liquider le stock. Ce que je vais faire, c'est je vais mettre une autre place de parking. Ici, comme ça, ils vont pouvoir sortir la file là-bas. Il faut que j'aille voir combien de temps ça prend la recherche. Allez, qu'à 9%. Elle filme cette petite clope, donc en vrai, j'ai pas arrêté la ligne de prod maintenant. Bon, j'en ai pas... J'ai pris le meilleur, pourtant. Il est parti chouiner. Il a après gueulé. Oh, mais attendez. Vendeur, je prends... Je peux pas acheter un level 2, là? Je suis max. Dommage. Dommage. Attendez, on n'a pas un arbre. C'est un arbre, voilà. On va prendre ça. C'est quoi ça? Ça, c'est tout ce qui est couvreur et tout ça là. On le fera après, dès qu'on sera bien.
1200, hein. Hop! Il est où? Du coup, je peux recruter un garde. Voilà le petit truc que j'avais. Lui partie perfectionnée. Au repos, toi. Hop, tu vas à l'entraînement, mon ref. Et là, du coup, juste comme ça, par pur. 25. 27. Il est lourd, plus, hein. Ça se vend. Tant que ça se vend, la prochaine zone de vente, je la mettrai là, là. Parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est que le problème, là, on vend pas des masses, hein. Voilà. J'ai pas fini. Le vendeur n'est pas professionnel, c'est ça qu'il a dit. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Tu me fais, Maurice, ça! Tu es censé être professionnel! Pour l'instant, on va mettre en pause. Attends. Construis la dernière. Voilà. Et là, pareil, pause. Je viens de te dire pause la conduite de ta mère. Oh. Je vais le fumer, je vais lui faire des choses et il sera pas consentant. C'est en fait à l'entraînement, toi, hein. Ce modèle est de mauvaise qualité, pardon. Comment osez-vous? Problème, c'est que j'aurai plus de modèles avant que celui-là soit prêt à opérationnel. Et tu sais quoi? Contenu. Non, tu sais quoi? On va mettre play. Toutes les ressources, trucs, ne sont pas commandées. Bah, tant mieux. Pourquoi je fais ça, les amis? C'est pour éviter qu'il nous reste des pièces sur le dos et des voitures à moitié construites. Je préfère en fait que directement, ils achètent là, là. Les derniers qui restent, donc là il en reste 5. Dans elle, dans 76, 76%, donc en vrai, elle sera bientôt bonne. Je préfère complètement m'attacher directement à l'autre que à cette poubelle là. Parce que ça se vend pas, ça. Lui, enfin, tous ceux qui vont acheter ces véhicules là, d'ailleurs, ils vont se faire couiller un peu, hein. Parce que dans Soon, là, il y a le. Soon, il y a bientôt le nouveau véhicule qui sort. Alors, ce qu'on va faire, par la même occasion. Voilà.
Si. Il m'en reste plus que deux. Mais du coup, celle-là, je crois qu'elle est finie. Pour l'instant, c'est des pseudos de merde, hein, parce que... Faut se dire les termes, c'est nul à chier. Inconnu. Vas-y, on va la faire, on va voir ce que ça donne. Non bon, après, de toute façon, je... Modèle, on va changer le modèle, on va mettre celui-là. Oui. Hop. Pas besoin. Ok. C'est bon, on a vendu. On va pouvoir changer, on va mettre celui-là. On va activer. Mettre. Bon, c'est quand même en bénéf. 700, c'est bien. Voilà. Et vu que du coup, il y a celui-là qui va arriver. Et je sais pas si celui-là, il sera mieux que l'autre. Donc, Wonderhead, voilà, on va mettre de la merde hein, comme pseudo, on connaît pas ce que c'est. Hein. Et là, il y a une tier 3 qui va arriver, 4000. Donc là, on va mettre ça. Et là, du coup, une seule commande pour une seule commande. Et là, on va mettre un deuxième bâtiment. Hop. Avec une petite porte. Sélectionner le véhicule. Donc on va mettre le nouveau. Donc lui il est clairement moins bien que l'autre, donc on va le mettre ça et sans pub. Voilà. Pourquoi... Ah oui mais si je mets pas play. J'allais dire c'est normal les quiz. Ils vont pas se faire chier avec ça. Donc là normalement... Il devrait nous sortir deux véhicules qu'on vient de... Deux cités, donc espérons que ça fonctionne. Déjà le problème c'est qu'il y a la queue même avant qu'il soit sorti. Ça je pense que c'est le véhicule qui aurait dû arriver après l'autre. Donc c'est pour ça qu'on va pas trop en faire non plus, parce qu'en plus il rapporte que dalle. On va le faire tourner jusqu'à ce que celle-là soit finie. Celui-là, il y a une plus haute demande, bah c'est normal. Avec toute la publicité que je lui ai faite. C'est juste logique. Par contre, ce qui me dérange, c'est que... J'ai censé avoir un garde. Il est où le coup du 12? Ouais, Shagaba. Ok, donc elle est sortie avant, forcément. Le Vendor n'est pas professionnel. Mais de toute façon, elle n'est pas encore sortie, celle-là. Je sais même pas pourquoi tu t'agites. Ah d'accord, en fait, ils peuvent vendre... Ah, ok. Ah, bah, fallait me le dire plus tôt. Je peux pas j'en ai un. Non. Dommage. Ah, on se fait de la thune là, on se fait de la thune. C'est parfait. Même la petite voiture verte, elle est partie, hein. Elle est partie, hein. C'est tout bénéfique pour nous là. Donc là, c'est une petite ligne de production, bien entendu, les amis. Hein. Dans le futur, on fera, dès qu'on sera au dernier niveau, par exemple, la ligne de production partira de là et
elle viendra faire un cercle là et on sortira 10 bagnoles à la minute. Hein. Le but premier, c'est de pas faire faillite. C'est le premier objectif. Là, c'est une petite zone de production pour le moment qui sort pas beaucoup de véhicules à la minute, ce qui me chagrine un peu. Il y a plus d'acheteurs que de voitures sur le parking, ça me plaît pas. Ah ouais, celle-là part bien, hein, malgré... J'ai fait aucune pub de celle-là. Il n'y a aucune pub qui a été faite. Hein. Ouais, aucune pub. Elle me rapporte plus que celle-là, je crois. Hein. Attends, elle m'a rapporté combien, celle-là? Est-ce qu'on peut le voir? Il n'y a pas un truc de finance. Non, on peut pas voir le véhicule qui nous a rapporté ou pas. Okay. Ah, puis le deuxième qui sort, c'est parfait, ça. C'est ce qu'on aime, ça. 1003, c'est celle-là qui part. Non, celle-là. Et voilà, un bénéf de 700 balles. Non, 800. Je me dis, les vêtements, quand même, ne restent pas longtemps. Hein. Ça me déglingue. Hein. Après, là, est-ce que... Je détruis ça. Est-ce que je peux en mettre une... ouais, non, c'est... En fait, une zone est équivalent à un véhicule en vente, quoi. Bah, déjà, on va pas se prendre, on a déjà deux, on a ça en vente. Là, elle arrive dans combien de temps? Voilà, 73. Ouais, en plus, elle a pas de... C'est quoi? Celle-là. On va arrêter de faire leur apprévisionnement. Par contre, si on finit pas, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de... contenu. On va attendre que d'abord celle-là soit finie. Mais voilà, c'est ça qui me turlupine, moi. Ah, c'est bien, ils ont fait un... Ah oui, c'est propre. Hop. On vend tout le stock parce que elle est plus vendue. Même d'ailleurs, attends. Hop. Sélectionner. Là, on va déjà la promouvoir. Mais... Attends, on peut même pas la promouvoir. Merde. C'est moi qui fais... De la vite. Ok. Normalement, celle-là, elle arrive spoon. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Ça fait plaisir. On est à, pour l'instant, on est à 6000. J'espère que celle-là va vite arriver. Et voilà. El bijou. Tac, du coup on va la mettre tout de suite. Activer. Là. Bam, mes play. Hop, commande. Pour trois véhicules. Allez. Ça part. Non mais ça part de là.
Merde, j'ai pas mis les prix. Ah, celle-là va monter à 1400. Ah ouais. Hein. 1400 de bénéfice. Hein. Voilà. L'autre, on se fait 700 de bénéfice. Là. Ah merde, non. Merde. Il est où l'autre là? Ah, il est toujours level 3, hein. Vas-y, reviens mon pétan. Tu vas pouvoir peut-être travailler. Hein. Ok. Est-ce que je me prendrai pas un mec en plus? J'ai deux chercheurs. Level 3, c'est bon, on les revient. Allez, on va prendre... Ouah, 6000 ou 8000. On va prendre celle-là, hein. Ça a l'air d'être un beau bébé. Hein. Un orbe technologique. Hein. Ouais, on peut dire... En fait, c'est qu'il y a des inconnus. Il peut révéler, mais du coup... Ah ouais, c'est qu'il y a pas mal de boutures. C'est pour ça aussi qu'il faut pas trop rester dessus. Là, par exemple, celle-là va bouger, quoi, parce que celle-là, quand elle va sortir, elle vaut plus rien, quoi. C'est pour ça quand même on va peut-être arrêter là. La production. J'aime bien là que t'as pas assez pour finir la voiture. C'est ma gueule. Ah. Quoi, on va le lancer. Elle est partie, hein. Le problème, c'est qu'on est toujours bloqué à 5008. C'est pas normal, hein. Là, en fait, je peux pas les arrêter maintenant parce qu'on a déjà lancé un bon coup de bœuf dessus. Ça fait chier de voir... C'est intéressant ça. Et bien, il va falloir de l'argent pour acheter toute l'artilote technologique. Hein. Je vais même pas croire. Hein. C'est que là encore ça va, ça part vite. Les voitures partent vite. Et c'est justement ce qui me dérange, c'est que parce que on les vend plus rapidement que le stock qui se fait. Regardez, hop, on en avait deux, il n'y en a déjà plus une. Et le problème, c'est qu'il y a toujours des amplis qui attendent, quoi. Donc, est-ce que je devrais pas agrandir ma surface? On va faire ça tout de suite, hein. Choisir directement celle-là. Une fois trois. Comme ça. Bah. En sortir plus que une à la seconde. Et celle-là, j'ai vraiment envie de l'arrêter. Hein. Le problème, c'est qu'elle est toujours pas là. Hein. Oh, et puis elle est pas prête là. Hein. Tac. Si je mets pas play, on pourra toujours attendre.
Du coup, je pense que je vais recommander deux mécanos et un livreur. Ouais, ça part toujours rapidement. Hein. Et c'est pour ça que je dis en fait que les lignes de production, faut qu'on arrive à les augmenter, quoi. Elle est quasiment à 100% d'augmentation, genre en termes de. Je rêve, on n'en sort que une par mois là? C'est pas une Ferrari, les gars! Hein. Je crois qu'on sort plus de celle-là que. Non, même pas. Bah là, du coup, on va en sortir deux. Mais ouais. Il y a un système d'énergie aussi, je sais pas si vous avez fait gaffe. Mais genre là, par exemple, ça me paye. Je paye 5$ au mois la ville. Donc, on va me dire, c'est pas grand chose, mais ça pourrait faire des petites économies et qu'on, par exemple, on pourrait placer dans un autre emploi. Là, celle-là vient de partir. Et celle-là. Ah, pas assez professionnel, apparemment. C'est bon, on a pris le dessus. Ah bah, elle vient de partir. On a plus pris le dessus. C'est le mec, le but, c'est qu'il y ait des voitures ici, tu vois, c'est pas qu'on les vende ou pas, c'est qu'il y ait des voitures là. Non, le but, c'est bien de les vendre, mais bon. En fait, ce qui me fait peur, c'est que... Bah, on peut louper des ventes, en fait, qu'il y a des clients qui viennent, mais qui se barrent parce qu'ils sont pas servis rapidement, quoi. Ça me désolerait un peu. Bah, déjà, on voit la rapidité... Celle-là, il y en a deux qui vont sortir. Celle-là, elle est toujours pas sortie, donc... On voit la rapidité à laquelle ça va. Et du coup, lui, il va en galère. Ah, mais aussi, si je suis con, moi. Si je mets pas un deuxième... Ah si, il y a deux bureaux, c'est bon. Ok. Bah là, de toute façon, ça va être le but de se faire de la thune, hein, les gars. Hein. C'est de la thune, la thune. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est préparer une nouvelle zone de... Une autre zone pour pouvoir... accueillir la nouvelle voiture. Et encore, j'ai envie de vous dire. Pour le moment, là, on met rien dessus. Est-ce que il y a pas un truc genre augmenter toute croissance? Non. Pour en pouvoir créer davantage de zones de vente. Ça, je vais la prendre. C'est-à-dire là, je pourrais recréer une petite baraque avec une zone de vente. Ce qu'on va préalablement faire. Voilà. Pourquoi elle est pas grande? Vous allez vite le comprendre, les amis. Que je viens de comprendre en regardant les mecs faire. Tout simplement parce que les mecs qui viennent là, voilà, ils vont acheter là-bas. Et même d'ailleurs, j'aurais pu en fait tout simplement réduire ça. Et pour les plus futés d'entre vous, vous avez remarqué que je n'avais pas mis de carte. Oh putain, il veut vendre 100 mètres de porte.
Voilà, là on va toujours bien. Hein. Là on est monté quasiment à 10 000 balles. Non, là ça part bien, ça part bien. Un peu long à sortir, mais ça part bien. Toujours pas. Ce qu'on fait, les amis, c'est qu'on va attendre la sortie de cette voiture. On va la faire vendre un peu. Je lancerai la recherche entre temps en parallèle. Et je pense qu'on sera arrivé à la fin de l'épisode. Voilà, je vais faire en sorte qu'il dure bien 3 quarts d'heure l'épisode. Parce que c'est un jeu très chill où tu prends ton temps. Contrairement à d'autres jeux qu'on a pu faire auparavant, du style Taverne Simulator, les trucs en genre. Là, c'est un jeu où faut quand même bien regarder tout ce qu'on fait parce que ça peut nous coûter très cher. Regarde, on peut le voir là direct. La voiture, c'est pas vendu. Quoi, tu regardes là, mon ref? Faut acheter. Allez, achète. C'est bien. Oh, nice! Ça fait plaisir de voir que le parking est rempli. Enfin, était rempli. Parce que du coup, ils viennent de refaire. On va refaire partir ça. Tac. Bah écoutez les amis, je vous reprends dès que la voiture a décidé de sortir de recherche. Donc les amis, je vous reprends après quelques dizaines de minutes pour vous dire que la voiture a bien été prise. Et du coup, qu'on lui en lance une autre qui est à 12 000. Donc là, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et entre-temps, il s'est passé quelques petits trucs. Donc, on va d'abord mettre celle-là en vente avec les petits bœufs. Voilà, comme vous pouvez le savoir. On va se faire une petite marge à 1500, 1500, voire 1800, c'est bien. On va la sélectionner. On va mettre on. On va la commander en 3 fois. Et on va remettre play. Donc, entre-temps, j'ai regardé un petit peu la technologie que j'ai débloqué ces petits hangars que je trouve très très chouettes. Malheureusement, je n'ai pas pu en passer beaucoup parce que je les ai mis dans une petite zone. Donc, c'est pas fou. Donc, on va construire une autre zone où mettre nos hangars. Enfin, nos hangars, nos ventes de voitures. Je pensais par là, là. Pour le moment, je les ai mis là. C'est provisoire. D'accord? C'est le temps que les voitures se vendre, qu'on ramasse un petit capital. Donc, à savoir que je me suis fait un beau capital déjà de base, parce que quand je vous ai quitté, j'étais à peu près à 8, 9 000, voire 10 000. J'ai acheté 4 améliorations en tout pour avoir ces hangars, du coup. Les derniers hangars, c'est pas encore disponible, donc ça tombe bien. Mais en gros, je vais le max, ça veut dire. Mais après, voilà, j'ai tout ça à débloquer. Enfin, j'ai pas mal de petits trucs à débloquer. Mais nos thunes montent progressivement. Donc, en soi, on a de quoi se faire. Là, c'est du 4000. Salle d'attente, ok. La mise au rébus. Ça, c'est la publicité, ce serait intéressant de la faire. De croissance populaire de base. Ça aussi, ce serait intéressant. Ces deux trucs, c'est pour faire step up nos véhicules. En fait, ça, c'est le premier truc qu'il faut débloquer, quoi. C'est tout ce qui peut te rapporter du pognon. Et le pognon, on sait très bien que c'est le nerf de la guerre. Non, ça va. On va attendre d'avoir les 15. Bon. J'ai compris. On va acheter tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai acheté les deux là. Donc on est redescendu à 7 000. Donc on va se calmer progressivement. Le temps qu'en tout cas, la prochaine voiture sort. Et elle sort en plus. Un beau bébé, hein. Elle a pris 51 jours à être sortie. Voilà. Tu feras gaffe, mon ref, tu. Bah, tu n'es pas dans la voiture, tout simplement. Donc, je suis à 2 doigts d'arrêter cette ligne de production-là.
terminer la production et on arrête les frais pour celle-là. Malheureusement, elle a fait son temps. On peut lui dire merci à cette voiture parce qu'elle nous aura fait de la thune. Clairement, fait de la thune. Pareil que celle-là, mais celle-là pour l'instant va rester un petit chouille plus longtemps. Sa remplaçante n'est pas encore arrivée. Mais du coup, on va avoir deux lignes de production pour chaque véhicule, je pense. Voilà, comme ça au moins. Surtout que les anciens véhicules sont plus longs à être construits que les nouveaux. Comme on peut voir, hein, celle-là, elle est déjà partie, les deux sont déjà partis, la noire blanche. Donc, plus c'est dans le temps, en fait, plus ta voiture avait du temps à sortir. Mais par contre, je sais pas si c'est moi, mais je l'ai trouvé ultra classe, les voitures. Genre, elles avaient une forme assez... Enfin, celle-là, je parle pas de celle-là, mais celle-là est, par exemple... Celle-là, du coup, on va changer la ligne de production, on va mettre ça. Oui, le contenu. D'accord. Bon. Hop. Passer comment? Ok. Donc là, normalement, si je reclique, normalement, pièces non utilisées, voilà. Vendre toutes les pièces non utilisées. Ok, c'est parfait, ça. C'est comme ça, en même temps, vous voyez... d'ailleurs, la voiture, elle est vraiment buggée, je crois bien. Mais comme ça, au moins, vous voyez un peu comment ça se déroule. Et on est déjà remonté à 10 000, donc ça fait plaisir. Celle-là va mettre du temps à arriver, je pense. Et j'ai limite envie de me payer. Hop. D'autres chercheurs. Et du coup, me refaire une station de recherche. Voilà. Là, comme ça, au moins, on est sûr que ça va aller plus rapidement quand même que tout à l'heure. Ouais, là, ça monte beaucoup plus vite déjà. Pourquoi? Parce que celle-là, je pense qu'elle va commencer à s'essouffler. Celle-là, on peut l'enlever. Tac. Donc là, on s'est fait pas mal de pognons. On va pouvoir encore améliorer, hein, je pense. On va pouvoir améliorer. Ou alors, je garde pour augmenter ma ligne de production, mais ça reviendra au même. Ou alors, je prépare une grosse zone de parking. Mais pour l'instant, on sort pas assez de voitures pour ça, hein, j'ai envie de vous dire. Ah putain, c'est vrai qu'il y a le système électrique. Voilà, j'ai acheté un petit peu plus que prévu, mais les amis, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Je viens d'acheter encore un truc. Mais c'est pour la bonne cause. D'accord? Voilà. Tout le monde va être au courant du nouveau bolide qu'on sort. Moi, je veux qu'il passe le tour de la planète. Bon, il me coûte 500 $. Hop, comme ça au moins, d'énergie, on est carré. Voilà. Il n'y a pas mieux. Et de toute façon, on voit comme des petits pains. C'est pas comme du petit pain. Donc j'hésite, est-ce que je prépare une place de parking où je fais directement un nouveau bâtiment, ici. Avec 1 000 $, 1 200.
Mais ça parce que j'ai envie d'essayer justement la ligne d'approvisionnement, la station de rassemblement, des trucs dans le genre. Après là, il y a le truc directement station de peinture. Il est tellement complet le jeu. D'accord, il y a des bras d'assemblage. Peut-être que je le sache avant. Hein. Enfin, un nouveau bâtiment, que je comptais faire partir une ligne de prod là, qui sorte ici, et en faire une qui vienne là, et qui sorte là, et après faire que du stockage à côté, quoi. Mais là, ça va être assez au time, on va dire, comme on dit dans le jargon. Parce que là, j'ai plus qu'une, et en vrai, je me dis que si on a la possibilité d'avoir les. Non, c'est quoi? Station de test peinture. Ah, les bras d'assemblage de grue. Ouais, c'est là. Sauf que déjà, pour améliorer ça, il faut que j'achète ça, c'est 1500. À la limite, ça, je peux le faire maintenant, vu qu'on a demandé une voiture. Ça, c'est 1500, je pourrais le faire maintenant, mais ça serait risqué. Il y a une autre voiture qui vient de sortir. On va le faire. Et ça, c'est 3000. Donc, en vrai, c'est pas si cher que ça. Donc, ça veut dire que c'est possible. Donc c'est possible, c'est possible. Là, la voiture, elle vient de partir pour 2006. Ouais, j'ai mis le taux à combien d'ailleurs, parce que moi, j'ai envie de me faire du bénef. Oups, j'ai glissé, chef. Celle-là, à part aussi bien. Donc en vrai, au moment, on est bien. Là, il y a juste la dernière, du coup, qui va arriver soon. Mais du coup les amis, on verra ça dans le prochain épisode. J'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. On commence une nouvelle petite série sur Car Manufacture, donc j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires vos impressions sur le jeu, ce que vous pensez, si il est bien, comment vous le trouvez. Et même si ce début de série vous plaît en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fera plaisir en tout cas. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important les amis, je le redis, ça fera extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas de lâcher votre petit like et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.